à tout ce que Dieu a réalisé dans notre pays. Par rapport à l'exaucement des langages de nos prières l'année passée dans notre pays, je crois que le Seigneur nous demande d'être reconnaissant. Il faut lui rendre grâce en tout temps favorable pour nous. Quel est l'objet du présent culte? Mais d'abord, nous sommes à la nouvelle année. Il convient de lui présenter cette année nouvelle avec l'agenda de nos projets et projets. Et la transition, il faut que ce que Dieu a commencé, lui-même aussi, par l'œuvre de l'Esprit Saint et de la chaîne de Saint. Pourquoi cette initiative? Vous vous souviendrez que après le 30 août dernier, beaucoup d'autres communautés se sont levées. Mais nous nous sommes dit, c'est l'Église mère, nous ne pouvons pas le faire dans la précipitation, parce que nous ne célébrons pas des ans, nous célébrons l'Éternel Dieu. 2023 passé, dès le début de l'année, nous nous sommes assemblés pour prêcher le genou, pour prier le Seigneur, lui présenter l'année 2023 et tout ce qui s'est passé en 2023, Dieu certainement, c'était l'expression de témoignage de Dieu par rapport à ses enfants. Il était normal qu'une fois 2023 terminée, en début d'année, on dise merci pour le passé, pour ce que vous faites dans le passé, mais également lui présenter de nouveau cette année. Quel est l'objet? Nous l'avons élu comme ça parce que Dieu veut être premier en tout. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui le 6, donc premier mois de l'année. Nous voulons donc présenter ce Dieu chaque jour de cette année et nos activités de l'année. Merci. Merci.